بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Nous pouvons rejoindre ce soir, comme d'habitude, lundi, après la salat de l'Isha, pour nous continuer l'explication de le monde des djinns, shaitan, la sorcellerie. Alhamdulillah, nous avons un chapitre très important, Al-Mess, la possession démoniaque. Pour moi, nous recevons une traduction pour lui appropriée, qui veut dire shaitan ou bien djinn qui prend possession, l'écho en djimoun, nous t'y expliquer. La plusieurs façons de prendre possession de l'écho en djimoun. Al-Mess, Al-Ta'ifi, il y a une nouvelle tentation, et etc., etc. Alors tout cela, c'est pour nous rester loin de ça, ou soit pour ne pas attaquer nous, c'est une vie dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans tout cela, alors Al-Mess, il y a un type de mess qui Shaitan lui prend possession de l'écho en djimoun avec un objectif. Alors, qui ça l'objectif là, ça? Avec un but plutôt, c'est pour commettre zina avec lui. Aujourd'hui, les points de session nous sommes sur le temps capable, le fait qu'il y en a beaucoup d'enfants. Alors, nous sommes humanitaires, c'est lui qui ne peut pas comprendre, ils ont moins appris, il y a besoin de messages, de demandements. Il y a un moment d'hier. Mais tant qu'avant, vous pensez maintenant qu'il nous servir, il n'y a pas pour expliquer, non? Parce que, je ne vois pas parmi mes enfants aujourd'hui ici, parce qu'un parmi, quand nous va prendre d'ailleurs, il y a tant mes enfants, il fait zina avec les enfants. Il fait zina avec les enfants. Alors, je me souviens de moi, zina, Nika Huliet, quand j'ai cette traduction, mais nous ne pouvons pas dans les détails, Nika Huliet, la masturbation, etc. Nous essayons de limiter avec sa matière. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, dans le grand. Ça, là, on comprend. Alors, nous avons un type de mess qui appelle possession, l'écho, un insan pour faire zina, pour commettre l'immoralité, pour commettre haram. Alors, c'est ça qui nous peut apprendre aujourd'hui. Et nous faisons droit avec Allah. Nous ne pensons pas seulement nous aussi terminer. Mangeons tout un type de traitement qui existait pour ça. Parce qu'il y en a, on va quand même dire, on lit ça, comme ça, sans avoir une photo ou montre où qui veut dire ça, qui te dit ça. Alors, bon, je vous dis, il y a des grammatères, vous venez juste avant de venir, parce qu'on peut préparer. Claire, vous voyez une photo, vous voyez une traduction, vous comprenez, c'est pour dire, oh, l'ambar à l'asri, vous comprenez tout ça, non? Hein? C'est bien l'ambar à l'asri, ou bien traitement des possessions, shaitan, amour. Vous comprenez tout ça? Non, il n'y a pas de problème. Claire? Alors, Inch'Allah, nous parlons de photos, c'est quoi ça, Ambar al-Asri, et c'est quoi telle petite chose. Alors, pour comprendre comment nous traitons et avec cette petite chose. Alors, nous thème aujourd'hui, c'est méthode de traitement de Al-Mess al-Shaytani, la possession démoniaque. Claire, nos méthodes, la méthode de traitement de la possession démoniaque. C'est-à-dire, comment nous traitons, nous traitons un démon qui Shaytan, il prend possession de ce l'écho. Nous ne pas qui fait, il prend possession de ce l'écho, il va le symptôme. Et comment nous connaît si ça va le symptôme là, mais par exemple, vraiment les posséder par un shaitan. Alors, il y a plusieurs méthodes de traitement de la possession démoniaque qu'on appelle Al-Mess al-Shaytani. Mais cette méthode-là, elle varie. Elle varie selon le type de possession. Quelle qualité de possession il prend à l'écho-là? Complètement, quand il prend possession à l'écho-là, est-ce qu'il fait les dito? Quelle qualité de dito il fait les? Donc, vous avez un diagnose. Ça, premier point-là, le type de possession. Deuxième, la force de sa possession-là. Parce qu'il n'y a pas mal de chaitan qui racaille, qui racaille, prend possession des coins du monde, un coup de souffle, vous allez aller. Clair? Alors, nous avons la force de sa chaitan-là, la force de sa djinn-là. Quelle qualité vient impacter l'ego de sa djinn-là? Ça, c'est déjà une petite chose.
Troisième, nous avons une bonne faiblesse du patient. Clair? Nous avons une faiblesse. Pour mon capable, diagnose, ou soit donner une prescription, et faire ça, 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 ça. C'est un petit monde qui soit là, même dans le lit. Qui traitement lui a le premier traitement, c'est soit? C'est soit là. Alors, nous avons une bonne faiblesse du patient, et nous avons une force aussi. Nous avons un degré de pratique dédiée, qui a été la force, qui est là, spirituelle. Et moi aussi, surtout, la force des soldats, clair, ça est très important. Ça est très important. Comme je dis, la force des soldats, si vous voulez un démon, vous demandez, mais arrête de croire, c'est pas d'empire. Il a malgré tout. Clair, arrête de croire qui, comme on dit, Allah contrôle le monde. Arrête de croire qu'il y a un solo, la persiste, la mécanique, c'est une cause, mais écoute, on dit, la mère est bonne, on a un problème. Parce qu'il y a un infini, on dit, particulier la donne. Ça va, qui est là, il y a un obstacle dans. Ce traitement dans ce guérison, si arrivé il y a un problème d'un shaitan. Alors, ce n'est pas qui s'en a voulu apprendre. Clair? Ça, le monde étrange des djinns et shaitan, premièrement, un frère, il apprend, il retourne vers le Coran et Sunna, authentique de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi parole devant l'imam. Parole devant l'imam, il dit des confiances à travers ce livre, ce fatwa. Et bien, savant qui expérimenté et nous profiter de son expérience et de son expertise à travers notre livre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dit, il peut y aller dans le Coran, il peut y aller dans le Hadith, mais il y aller à travers l'expérience. Il servit à la place dans le Coran, ou soit dans le Hadith, le prophète peut dire, servit à la musc, à la soie, musc qui coule noir, frotte l'ego avec ça, faire massage avec ça, et là, le Hadith n'a pas existé ça. Mais c'est là qu'il trouvait qu'il est bénéfique. Il trouvait qu'il est bénéfique à d'autres malpolamas servis. Il trouvait que ça l'artisanat est bénéfique. Mais là, il y a des chics là-dedans. Puis là, il y a des couffes là-dedans. Alors, dans cette façon-là, nous profiter avec l'expérience et l'expertise du malpolamas. De malpolamas. Malpolamas qui dit des confiances. Mais là, pénalité. Alors, nous vous causons le concept de la possession d'un djinn amoureux et sa réalité qu'on y manifeste. Qui veut dire ça? Alors, quand nous retournons dans la parole des malpolamas, nous retrouvons que le terme mas al-shaytani al-ashiq, c'est-à-dire al-mas, donc là, mas al-ashiq, c'est-à-dire il y a ishta entre sa dîmoun-là et sa shaytana ou soit sa dîn-là. Al-mas, donc là, al-mas al-ashiq, c'est-à-dire sa dîn-là, il tombe amoureux avec sa madame-là. Sa dîn-là, une femelle dîn, il tombe amoureuse avec sa michée-là. Et il est capable, un dîn, un djinn mâle tombe amoureux avec un michi. Un djinn femelle tombe amoureux avec un madame pour un lesbianisme et l'homosexualité. Tu comprends bien lesbianisme et l'homosexualité? Là, nous allons voir dans les détails. Un michi contre un michi, appelé l'homosexualité, un madame intéressé avec un madame, appelé lesbianisme. Ça, c'est il est capable un djinn mâle avec un michi, un djinn femelle avec un michi. Alors, si vous voulez s'inviter, il y a sa signification-là, les ticonies, mais t'es là pas ticonies comme ça à l'époque. Si vous voulez s'inviter, une cause concernant ça dans ce même fatwa, pas pour prendre fatwa là dans son intégralité, les causes concernant al-mas al-ashiq. Al-mas al-ashiq, c'est-à-dire un shaitan ou soit un djinn, les compte à un insan, il y a un homme amoureux de lui, et quand il tombe amoureux de lui, il voulait qu'il s'ose avec lui. Qui lui voulait avec lui? Lui voulait qu'un monsieur voulait avec madame. Une madame voulait avec un monsieur. Même qu'il s'ose, il a envie pareil avec ça insan. Donc, chez vous, l'islam, il y a donc des places dans ce bandou, Fatawa, il fait une cause concernant sa réalité-là, la concept des possessions du djinn amoureux. C'est-à-dire, un djinn, il tombe amoureux avec insan. Qui fait les tombes amoureux? Les bourrini, Inch'Allah, derrière, là où si tu es où, tension autour là-dedans. Tension autour là-dedans. Alors, ça, c'est un terme qui finit. Pas utilisé avant la conception qui existait. Du monde qui connaît ça qui a existé. Un djinn, tombe amoureux avec insan. Ou soit djinnia, tombe amoureuse avec insan. Mais, les particuliers avec ça, non là. Les particuliers comme Al-Mas, Al-Ashiq. Son réalité qui est arrivée là-dedans, en résumé, nous allons dire, c'est faire du tout au humain à travers Zina. Faire du tout à l'insan à travers Zina. Et Zina est dans différentes formes, comme vous voyez, Inch'Allah,
Inch'Allah. Donc, kiffer un djinn, il compte un insan pour une édine faire travail pour la subalterne, non. Il compte en lui, et la façon d'aider. Et la façon d'aider, quand même, protection pour lui, parce qu'il tombe amoureux avec lui. Mais le but principal, c'est pour commettre zina. Le but principal, c'est pour commettre zina. Alors, son réalité, c'est dito insan à travers zina. Dito ça insan là, à travers zina. Faire zina avec un djinn, c'est un djinn. Pas nécessairement qu'on va dire djinn là, on veut qu'on va dire mot ou ça non. C'est une façon de faire djinn. C'est une façon de faire djinn. Alors, on va nous dire djinn, mal, content, monsieur, insan, mal. Clair? Djinn niya, femelle, djinn, content, bad madame. Djinn, mal, content, madame, insan. Et les confrères aussi pareil. Clair? Les confrères pareil. Alors, un djinn niya, les contents, un monsieur. Ça, c'est al-mas al-ashiqi. Al-mas al-ashiqi. Qui va le raison? Alors, il y a un thème pour zina, il y a un thème pour l'homosexualité. Vous connaissez quoi le thème? Si les lesbiennes, vous connaissez quoi le thème? Il y a un femelle djinn avec un madame insan. Un mâle djinn avec un monsieur insan, alors c'est terminé pour l'homosexualité ou soit l'espérance. Tout ça là existe. Tout ça là existe. Bonne raison pour laquelle Satan il domine une personne et attaque par zina. Qui va la raison? Qui fait ça? Shaitan là, ça djinn là, il attaque ça insan. Qui fait? Le réseau pour lequel djinn ou shaitan il domine, il prend possession de l'ego, un insan, clair, il attaque lui, pour faire un sinar. Qui va le réseau? Il me voit. C'est l'irja, comme on va l'avoir fait l'appel. L'admiration. L'impressionné, l'émerveillé pour ça. Pour ça, on n'a pas nécessaire personne qui fait son sorcellerie ou soit qui a une maîtrise l'eau. Non. Dina même, lui-même, l'émerveillé par où? L'émerveillé par où? Alors, ce qu'il fait. Et comment l'émerveillé par où? Comment l'émerveillé par où? Si vous venez avec nous là, là, haut. C'est comme ça, quand on peut rentrer dans la toilette, on peut dire Bismillah, Allahumma inni a'udhubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Quand on peut sortir de la case, qui ça va nous lire? On fait ça, viens faire l'examen. Hein? Qui ça va nous lire quand on sortit depuis la case? Ça, hein, tu peux dire. Pas qu'on dit, t'as beau dire. Qui doit nous lire quand on sortit de la case? Hein? Lève la main, on va le faire. MashaAllah. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فين؟ شيطان ده بقى كبار بيبي. alors dans quand l'occasion quand tu mentionnais semaine passée, man moment qui Shaitan attend pour attaquer nous. dans ce moment là si nous pas prendre les précautions nécessaires, correct, il trouve nos l'écho, il trouve nos parties privées. rien. dans rapport intime, alors nous ça prend beaucoup précautions. il est émerveillé par l'écho des saints insanes. alors ce qu'il fait là? Il y a des surveillants, il accompagne, il côtoie, il veille toute l'occasion, après, et nous mentionnons l'occasion là, comme on l'a fait mentionner, il veille toute l'occasion pour essayer de rentrer dans les cours. Et surtout, il y a tant de poils dans la place de divertissement, haram. Surtout, il y a tant de là-bas. Parce qu'il connaît là, c'est une place. Créée, il est vulnérable, il est facile, il y a tant de dans la place pareille. Et dans le mariage, côté un divertissement dans le mariage. Je vous dis, un dit, ça m'a dit qu'il y a un mariage, fin de s'y nous n'avons pas fini ça. Et nous finissons d'hier, on se met un mariage, on n'a pas allé ça. Mariage qui n'a mis de cité, monsieur, madame. Mariage qui n'a la musique santé. L'indécence, il y a ta nous dans la même place pareil. Que remarquer. Remarquer, beaucoup de doula, douline, gay, problème à partir de là. Là, nous ne parlons pas du moment que les statistiques.
Nous pas tu fais coaching, je vais gagner, mais combien de temps nous gagnons comme ça, il y a un problème sur le mariage. Alors, si tu as un moment pareil, clair, par cause où tu dis, tu ne peux pas t'accouer, ou soit où tu ne peux pas t'accouer, il veille sa main place là. Si tu as un tac doula, hazoula, il attaque, si tu as un tac doula, il n'y a pas attaqué, il y a un qui s'en a, qui est droit, qui est dans le visage, comment nous dire, il reprend un moment pareil, il reprend un moment pareil. Ou bien il y a une place qui est à l'indécence, tu es rouge. La place. Rien. Alors, mais t'as la main, allez, mon assomme, allez. Après ma vie, allez, après pas dire, allez. Il y a une place qui est à l'indécence, nudité. Et fitna en général, et il y a une place qui est à moins à garde de protection ou pas à du tout même. Prends pour mon affaire. Ça va une place, c'est un démon. Si y a tout un démon, il connaît, il dit ça malade, évite à l'homme, ça va une place. Et à la demande, parce que c'est un jour quand il est malade, c'est un mauvais démon. Il possédait un djinn, c'est un mauvais démon. Mais c'est moi dans ma place, quand il est vulnérable, une place vulnérable, quand il a la force, le mal, manifesté là-bas, j'ai tant de place manifestée, ou ça va pas se dire. Quand ça nous dit manifester, dans ma place pareil. Et pourtant, la base aussi de manifester. C'est nous qui d'accord, pouvons le manifester. Nous pouvons faire danser, etc. Alors, ça, les premières causes, première raison, c'est Al-Ihjab. Il admire ou, il tombe amoureux avec ou, il faisait rentrer au l'ego parce que quand il tombe amoureux en haut, il se met à dire il est fidèle, il va en guerre, il est fidèle, il tombe amoureux en haut pour faire zina. Pour tomber dans zina. Ça, niveau 1. Niveau 2, c'est Apol, Lisier et Hassan. En humain, humain. Pas mes causes. Les gouvernements, quand vous posez Lisier, ça fait Lisier. Dîme met Lisier le haut. Shaitan met Lisier le haut. Mais là, nous faisons cause lisier jalousie qui est là entre humain et humain. Nous, nous croyons, nous faisons grandes affaires. On fait jalousie sans là, mais nous lisier le sans là. Chacun, il profite de sa faiblesse pour prendre possession de nos égaux. Parce qu'il y a une jalousie, et la fois, il est accompagné par un chacun, par un djinn. Alors, la jalousie et lisier humain et humain, c'est un grand accord qui permet à un djinn pour contrôler l'égo. C'est un grand accord. Numéro 3, la sorcellerie de la part des insan. Comment ça? Les gouvernements ont fait une sorcellerie, là nous fait cause, la cause. Comment un chétan qui prend possession de l'ego, c'est quand il a la sorcellerie qui insan infère vis-à-vis de l'autre insan. Donc ça fait une sorcellerie, il va nous dire avec détail. Quand on fait une sorcellerie, pas nécessaire, sa sorcellerie là, il y a un chétan et un djinn qui involve là. Pas nécessaire ça. Très bien? Mais dans beaucoup de cas, il y a un djinn ou soit chaitan qui involve dans la sorcellerie. Alors, il y a deux types de chaitan ou soit djinn qui involve dans la sorcellerie, un qui gardien sorcellerie, un qui au service de sorcellerie. Par exemple, on va dans un achat, dans un bandit, dans un bandit, dans un coco, ça, il y a quoi qu'il y a, il va y avoir un poste, ça fait, une offrande, clair? Comme ça même, dans la sorcellerie, il y a un chaitan. Soit djinn, soit travail, soit il veille, il gardien, parce que c'est un sidèle. Ou soit il fait khadim. Il khadim, il veille et il travaille. Il travaille, il renouvelle les sorcelleries là. Clair? Il augmente sur la force le mal dans sa façon. Clair? Alors, quand sa shaitan là, il accompagne sa sorcellerie là, parce que c'est dans l'école d'une sorcellerie. Ou soit dans la case d'une sorcellerie. Il fait l'eau. Ou soit il met quelque part. Et il accompagne tout le monde sa wali avec long le temps qu'il reste avec vous. Il tombe amoureux avec vous. Vous ne comprenez pas, il tombe amoureux avec vous. La matinée est entendue avec vous, il tombe amoureux avec vous. Alors, les vivre avec vous, il tombe amoureux avec vous. Les là, il commence à faire dito à ça, l'écho là. Il commence à suivre à ça, l'écho là. Et si vous avez fait dito, il fait dito. Et. Quatrième, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie de l'adultère. La sorcellerie de l'adultère, ça devient plus depuis ma djinn, ma chaitan. Chaitan fait sorcellerie avec vous. Quand on quitte la côte ouverte, il y a une négligence d'en haut, il tombe amoureux avec vous, il n'y a pas de il fait sorcellerie avec vous. La sorcellerie, c'est un fahisha. Et ça, il y a plusieurs différentes formes. Nous avons un qui appelle sorcellerie de l'amour. C'est-à-dire, ça a existé dans différentes formes, et là-dedans, certaines font pour stimuler ou désir charnel. C'est pour déclencher ou désir. C'est pour envie de tomber dans Zina. Clair? Il fait envie de tomber dans
dans l'immoralité. Deuxième, apelah tersebut zunat al jin. Dans jin ina man zaniat, man ife zina, man pierre qui condamne zina. Sabana gagne les deux silo, là où créan, alors je fais zina avec aussi les là et comment certaines dire et comment nous la matière. Et la fois sa zina là déroule 24/7 la nuit de la journée. Maman nous a dit ça qu'elle était journée. Maman nous a dit ça qu'elle était journée. Qui dit moi pas capable. Shaitan fait zina ali toute longue la journée, toute longue la nuit. Toute longue la journée, toute longue la nuit. Ça appelle la banzuna, comme man, banjé. Troisième, c'est al-fahisha, société de l'adultère. C'est Yahoud et Nasara qui fait ça plus souvent dans le musulman. Vous avez entendu c'est un djinn Yahoud et un djinn Nasara, vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Et surtout, sorcellerie des mannes juifs. Je m'en protection à Allah. Sorcellerie des mannes juifs, c'est un bon man sorcellerie qui faut, qui puissant d'exister là. Parce qu'il peut être de travailler un gros gros shaitan. Alors, ben, Yahoud et Nasara, la Palestine, il y en a mis beaucoup, là-bas, parce que dans la Yahoud, je fais beaucoup, la sorcellerie, à travers la sorcellerie, elle n'est pas drôle. Sa pays t'appelle Daoulat Yahoud, elle n'est pas drôle, je travaille beaucoup avec la, la sorcellerie. Alors, surtout, ben, Yahoud et Nasara, ils lancent Bandine, le Bandine musulman, pour ensorceller et pour faire sinon avec Bandine musulman. Cinquième, comme une cause, c'est la sorcellerie des Bandine. Clair? Un djinn est amoureux avec vous, il fait une sorcellerie, afin qu'il soit capable de vivre avec vous, faire zina avec vous. Numéro 6, parmi les causes, un djinn à l'achiki qui prend possession de nos égaux, c'est le bord de un vikri là, qui plusieurs fois nous fait dire. Ça, c'est la cause de tout malheur. Reste avec le Allah, la cause de malheur qui fait nous faire. Soit, pour dire l'histoire. Quand nous disons les salats dans le frère, pas salat, même en djamat. Beaucoup, nous veulent pas entendre nous dire, beaucoup de monde croient qu'une femme fait salat, il suffit. Une femme fait salat, il suffit. Non. C'est un diable. Oui, il y a des raisons de Manoul Lama. Il suffit que Manoul Lama divise ce qui, salat, qui s'ajoute là, qu'il fait dans la cave, dans l'air, hein. Dans les salats, les gens qui ont dit où là, ça soit là qui s'en misé l'un fait dans la case, est-ce qu'il y a accepté ou bien non? Il suffit qu'il va nous la main diverse. Hadith, là, les voyages disent celui qui est dans l'azan, il va mettre ma zip et dans le salat. Ça, c'est une opinion. Ça, c'est notre hadith. Les gens ont l'opinion, et là, j'ai non. Ce salat, tu as accepté, mais il y a un péché. Peu importe, ma frère. Peu importe, n'a pas guéri ce salat là. Mais il y a dit que ce salat, il n'a pas salat de tenha. Al-Fahsha ou Al-Munkar. Salat, il y a un péché, Al-Fahsha, un grand péché, et Al-Munkar, pas un grand péché, c'est Zina. Al-Saint-Dieu, il est régulé dans ce soir-là, j'ai entendu, si Amin propose, c'est sur l'école, il vous dit, c'est pour faire Zina avec lui. Il vous dit, c'est pour faire Zina avec lui. Alors, soir-là, comme ça même, un démon doit être trempé dans le haram. Doit être trempé dans le haram. Il faut éloigner de l'Allah. Comme ça même, et. Et bien, les autres petites choses encore, les mines un poids flat facile pour qu'ils chétan en possession sur les corps et faire zina avec eux. Les mots aussi, c'est demande qui un djimoun même fait. Les invoquent chétan, les invoquent djinn, les invoquent un femelle djinn. Vous pouvez comprendre? Il y a pelli. Il y a pelli. Il invoque les autres djinn, ou un djinn femelle, bon, vite. Donc, il y a de la vie. Donc, il comprend pas faire ça. Ça veut dire, par appel qui un djinn lui fait à Bandine, ou bien il adresse Bandine femelle. Et lui montre qu'il est intéressé pour un djinn femelle, pour vivre avec lui. Et beaucoup de jeunes tombent dans ce haram-là, beaucoup de jeunes tombent dans ce haram-là, si dans l'idée d'un film mal propre, ou soit l'idée d'un roman. Claire? Ça dit. Il déclenche ce désir charnel. Il déclenche ce désir charnel. Alors, il fait appel à un djinn. Il fait appel à djinn niya pour venir vivre avec lui dans sa façon. Personne n'a l'air sous-sérieux. Personne n'a l'air sous-sérieux. Claire? L'île invoque Banla. L'île invoque Banla. L'île invoque Banla. L'île invoque
Parmi ma dose, al acheté, c'est dans les liens de la sorcellerie et les pratiques de la sorcellerie. C'est dans les liens de la sorcellerie, pas les liens de la sorcellerie. Maintenant, des bases, mais on va pas l'amener. La sorcellerie, comment écrire la sorcellerie, comment faire la sorcellerie. Dans un livre. Rien. Alors, pas lire le livre de la sorcellerie, comment faire magie, comment faire sorcellerie. Pas lire, parce que quand on lit, c'est dans le présent. Alors, dans le présent, je te côtoie, etc., etc., les deux m'amoureux avec vous, ils rentrent au l'écho, ou soit pour pratiquer la sorcellerie. Et on y pratique, et trois corps, bonne sorcière, et la dîne, ou soit dîne, et puis, avec eux. Clair? Alors, ça, c'est huit par ma cause, qui fait un djimoun qui touche par le mas al-achid. Comment les touches amoureuses sont manifestées? Donc, il va falloir nous résumer dans un mot zina. Comment les manifester? C'est à travers zina. Les manifester à travers zina. Donc, pas de un détail. Les pires des choses, Maman Moulama dit, c'est l'incite ou à l'immoralité. Elle dit, encourage ou poil de vie haram, zina, l'homosexualité, lesbianisme. Clair? Ça, c'est les pires des choses. L'adultère. Les pires des choses, il déclenche sa désir haram là-dedans. Et quand il déclenche, il est capable de tomber dans le haram, dans l'adultère. Et une autre façon encore, comment il manifester, c'est admire haram. Admire ban madame. Admire ban madame. Clair? Et ban madame, admire ban monsieur. Madame, admire madame ici. Tout ça là, il y a un soulèvement qui arrive dans l'âme. Un coup trou là, comme la vie chamboulée. Un coup trou la vie sans être. Et la personne pense qu'il a tous amoureuse, il n'est pas perdito ou il n'est pas arrivé à la touche amoureuse, c'est-à-dire un djinn amoureux en moi. Et toi, il va tout le monde. Il y a des gens qui pensent non, mais si c'est juste pareil, comment il peut vivre l'amour avec un insan, ou il peut vivre l'amour avec elle? Un djinn, non, il peut rire. Et là, ben, toucher amoureuse, elle messe, elle achète, arrive jusqu'à faire dito, faire ou bien malade, faire ou moutou. Et là, tout le monde prend alors, non. Mais tout est possible là-dedans, comme on l'a dit, qu'il soit positif ou bien négatif. Tout qui soit possible là, elle messe, elle achète. Dîne amoureux, tout possible avec lui, il est positif, il est négatif. Il dépend du type de dîne qui est homme là. S'il y a un musulman, clair, il y a un courage qui fait son là tout. Il y a un courage qui fait l'ibadat Allah, mais c'est mal fait zina. Il est correct là? Il est correct? Il est bon, il n'est pas bon du tout. Alors il dépend de qualité. S'il y a un yahou là, il y a un yahou qui est il fait une église soit là et pratique la rite du judaïsme, ou soit christianisme, ou soit peu importe quelle religion il était. Et il n'est pas drôle, il n'a pas compris certains musulmans. Certains musulmans, c'est pas il parle de ha dans les coups. Si pas il ne peut pas aussi d'aman rite, couf et chic. Peu importe qui catégorie était, c'est pas les politiciens, peu importe, il n'est pas drôle qu'il possédait pas un djinn ou son djinn. Il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle. Alors, il dépend de qui digne était, shaitan là, de qui religion était djinn là, il fait où incline vers ça. Alors, s'il y a un musulman, il y a une positivité, mais le but c'est quoi? C'est djinn là, il ne sait pas quoi. Il ne sait pas quoi. Parce que, nous pas dit loin, nous les coûts être possédés par un djinn, même pour eux de nous faire cela. C'est pas la raison, toi. Il n'y a pas de djinn par contre dans tous les coûts, excepté pour faire toi djinn. Du mal, dit-on. Et surtout, ce djinn. Il n'y a pas dans tous les coûts, il n'y a pas de droit rester dans tous les coûts. Parce que son objectif, c'est juillet tous les coûts. Son objectif, c'est juillet tous les coûts. Alors, il est capable de café, alors de comploter ensemble pour faire toi faire partie de la de sa religion qui était là. Donc, ça c'est comment il manifestait un peu en bas. Ban signe, là nous sommes tirés. Ban signe pour lequel nous connaissons une personne qui est touchée par un djinn amoureux. Qui ça ban signe là ça? Numéro un, mon frère, c'est ce qu'ils nous appellent clair. Et dans des façons nous connaissons. Quand tu m'en as une de nous, nous poser cette question. Est-ce qu'il te trouve ça dans le rêve? Est-ce qu'il te sent qu'il te loue toi? Est-ce qu'il te fait ça? Est-ce qu'il te sent qu'il te loue toi? On pose la question. Pas de question. Et mais fais-toi pas encore marier. Non, pas intéressant marier. Pas intéressant marier. Si on a ton esprit, tu vas intéresser toi. Fouille, vous trouvez un animal pour te créer sa vie. Parce qu'il vous a marié. Clair? Pose 20 questions. Ça, les moi. Deuxième,
à travers l'étude du Coran. À travers l'étude du Coran. Et là, quand elle dit, Inch'Allah, et là, elle s'est dit, il y a un Coran qui nous lie pour l'isier, qui nous lie pour sorcellerie, nous lie pour possession, qui a été sorcellerie, l'été, nous sommes dans un ayat là, nous lie. Ça va le sourire là, nous lie. Sinon, le Coran, là, non, c'est un mot. À travers l'étude, par exemple, si elle dit, on est une côte moi, nous ne sommes pas, nous lie, n'est-ce pas, وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما ندخلك وسمع نفسي كي كي بيجي صح سليزي بس عيا تليزي ولا ولا إذا دخلت جنة قلت ما شاء الله كانوا يقصيني وسمع نفسي سليزي كريا سنبصي تليزي فور بوسيبيليتي تو سواس ما بيجي صح قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر خاصة إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد وسمع نفسي وسعيا الله بيجي سوسيال سوسيال يبقى سعيا الله سو Et ainsi de suite. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Ça c'est sorcellerie. Il y a aussi. C'est la même ayat qui commet, ou lisier pour sorcellerie. Donc, à travers l'étude qui m'a connu, m'a déterminé, non, toi, tu n'as lisier dans toi et tu accompagnes par un djinn. Non, toi, tu n'as sorcellerie dans toi et tu accompagnes par un djinn. Clair? De sa façon. Alors, parmi ces deux façons-là, nous connaissons. Bansi, nous appelons ça Banri, Malpro. C'est ce qui nous comprend. Malgré qu'il y a du monde fier, c'est-à-dire malgré mal propre, et une fois, quand il y a une fois, il y a accompagné à du monde là, il fait ça malgré mal propre là, et il y a accompagné pour trouver une madame, pénamètement nos autres nus, ou soit il peut gagner un rapport avec la incestue avec un mahram. Clair? Rapport avec mahram. Donc, il y a du monde, souvent il rêve, il peut faire zina avec mahram. Muslimat. Une fois les beaux. Une fois un djimoun les rêve, il peut faire zina avec un mahram les beaucoup. Clair? C'est clair comme ça la vérité. Voilà. Dis-moi, tous les temps il y a un désir, un envie brûlant, comment on appelle ça, sans raison. Vous connaissez? Inceste. Qui veut dire inceste? Le truc qu'on veut inceste? Inceste c'est zina avec mahram. Il y a un désir, un l'envie brûlant. Moi, mon zone, c'est qu'à l'aise. Vrai? Mon zone, c'est qu'à l'aise. Et il fait. Et il répondait. La situation est grave. Claire? Nous ne pouvons pas dire dans la famille non musulmane, on fait très attention. Nous ne pouvons pas dire dans la famille non musulmane, nous pouvons dire dans la famille musulmane, zina avec S, avec mahram. Zina avec mahram, ça c'est un très mauvais signe. Ça dit monde qui veut faire zina là, liquide malade. Alors ça c'est un consentement mutuel. Vous êtes venu avec un consentement mutuel? Vous êtes tous les deux partis d'accord. Tous les deux, il a sa problème. Tous les deux, il a sa problème. Les mots au droit, on appelle ça nikah ou lien en arabe. Nikah, lien, al-istim, al-istim, ou soit al-istim. C'est-à-dire, qui lui soit monsieur, qui lui soit madame. C'est lui autour. Comment on appelle ça? Autour. Un mot là. Procréer. Non? Autoprocréer. Vous voulez en français là? Autoprocréer. Autoprocréer. Alors, il donne lui-même plaisir. C'est lui-même qui donne lui-même plaisir. C'est-à-dire, alors ça c'est. Et il fréquente. Et il fréquente. Il ne sait pas pour nécessité à marier, non? Numéro 4. Il y en a le debout pour mariage. À cause de mariage. Hein. Et dans le cas de madame, je détestais ce qu'il appelle la racine ici. Debout pour mariage. Claire, il y a Michel, il y a madame. Et pour madame, il dégoûte ce qu'il appelle Michel. Par cause de Michel. Hein. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Numéro 5, les ressentis par le mouvement au niveau de ce parti intime, de ce parti privé. Il ressentit pas le mouvement, là, il sentit pas le mouvement. C'est-à-dire, le support privé, ça c'est une preuve qui s'agit de là, il est infecté par un djinn amoureux. Numéro 6, la personne, il gagne l'impression qu'il quiquen peut accompagner d'une façon continuelle, et ça quiquen là, il file qu'il est à côté de sans qu'il ait trop quitté sur lui. Pas si en section, c'est une réalité, bonne zone, sa qualité de monde. Et il ressentit quand même l'écho invisible tous les temps. Il
il connaît la silhouette et la chose, et invisible, c'est moi qui vit et la chose qui accompagne. Claire? Ou soit à côté sur lui, ou soit tous les temps il sentit un poids lourd. Tous les temps il sentit un poids lourd, ou soit il y a un lait qui souffle sur lui dans une figure. Il croit qu'il gagne le souffle, mais là non, il Zuber, pas là, Lukman, pas là, Claire? Qui vient de souffler là, dans vos figures. Ça, c'est ça? Ça, dit une nasse. Ou bien, il y a une respiration. Quand il y a une respiration, ça, on file. De temps de là, il ne respire plus la personne. Plus la personne à l'entour de lui, alors, comme si quelqu'un peut respirer à côté de lui. Ça, c'est mal symptôme. Numéro 7, pas de frère, ma soeur, pas de monsieur, gain CV de madame Lozotéco. Elle dit, tiens, cela, elle est trop CV madame Lozotéco. Comme ça, on dit ça. Rien. Ben Michel gagne un CV de madame. En tout cas, la différence entre CV et Michel, madame, trop facile. Trop facile. Le seul égo, il apparaît. Ou bien, dans certains, il y a ça à l'intérieur de son pantalon. Michel, dans son pantalon, à l'intérieur, il trouve CV de madame. Ou bien, il enroule le sous-particulier. CV et madame. Ça, c'est. Si ils ont dit mon nom, les posséder par un djinn à amour. Numéro 8, bat madame, je trouve quelqu'un qui apparaît nu devant eux, il flash un coup comme ça, sous différents formes. Il flash un coup devant eux, sous différents formes, et ça, elle envoie la graisseux. La graisseux, violette, etc., etc. Pendant qu'ils sont éveillés, vous sortez endormi. Pendant que vous êtes éveillé, il y a graisseux. Soit vous êtes éveillé, soit vous êtes dans l'eau. Un autre. Alors vous êtes en train de pareil, lui dénuder complètement, et il y a graisseux. Numéro 9, un monsieur sauvé de ce madame. C'est un qu'appelle Sihou al-Ta'dil, qui mentionnait dans ce rabat, Bakara, ayat numéro 100, 110. Wattaba'u ma tatlu shayatin wa la mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اسكرا في آية alors un monsieur sauvé de son madame il m'a regardé sincèrement il est sauvé de son madame et il dormit plus loin qu'il n'a pas avec son madame il dormit plus loin qu'il n'a pas avec son madame et il a gassé quand son madame postait avec lui quand son madame postait avec lui il a gassé et il condamne la solitude. Quitte-moi tranquille. Autrement dit, quand on a salé à l'eau, tu sais, séparément. Et plusieurs mois traversés sans qu'il y ait un hamistari, comment le dire, en ourdou, entre eux, et un contact entre eux, monsieur et madame. Les numéro 10, nous pouvons essayer sans mal mot là, l'absence ou une faiblesse dans l'érection. Pas de savoir, on comprend, Inch'Allah. Ou soit dans un qalb. Qui appelle éjaculation. Il y a une faiblesse là-dedans. Claire? Alors, ça c'est mal. Ou soit il y a précoce, les précoces, etc. Ou soit il ressentit une douleur en bas son nombril. Si ça va son nombril, il sentit une douleur comme si une fois délégué peut piquer, mais c'est pas une piquer, comme on peut planter un couteau dans lui. Comme si, puis hanter un couteau dans ce portier. Si ça va là où se continuer, et si ça va son nombril, et piquer, elle y ressemblait à un coup de couteau, et aussi douleur entre ce testicule et l'ouverture sur la l'anus. Ça partit à bout de là-bas, il sentit une douleur là-bas, entre ce testicule et sur l'anus. Et l'idée, man picotement dans son anus. Ça c'est pas vraiment de symptômes. Numéro 11, l'hygiène insomnia, comment nous dire, il n'est pas dormi en la nuit. En la nuit, il n'est pas dormi, il passe des heures dans la toilette. Qu'il soit dans la toilette, mirhad, qu'il soit dans la salle de bain. Il va prendre 10 heures pour baigner. Il y a une toilette, il va prendre 11 heures et demi pour la toilette. Ça c'est un très, très mauvais signe. Il passe des heures, c'est-à-dire des longues heures dans la toilette. Et les être pensif et les distrait tous les temps. C'est-à-dire il est absent, il tout le temps il voyage. Il va, ah oui. Si ça souvent répété, connaît, il est possédé par un djinn qui
qui amourait avec. Numéro 12, il sentit certaines l'odeur, plutôt parfum aromatique, parfum, dans son chambre, sentir sa parfum. Vous comprenez? Il gagne l'odeur oude, il gagne l'odeur mus, il gagne parfum, il n'y a pas bien l'odeur, mauvais l'odeur, il gagne un bon parfum dans son chambre. Donc, c'est que vous avez des gens qui ont 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 des. Et pendant Hambistari, clair, on trouve qu'on s'en sert, on commence à remplacer par Hambistari, on trouve qu'on est Hambistari, clair. Hambistari, Bistari de Lili, une madame n'y ressentit qu'il passe au monsieur qui arrive, il y a une autre affaire qui arrive. Pas son monsieur ça, parler de son monsieur, les gens n'y ont pas son monsieur ça, un autre qui est avec lui, ou après ce contact, l'idée a l'impression qu'il fait continuer et la contact avec un autre. Assez sensible. Sans qu'il est trouvé. Numéro 14, bonnes enfants. Certains enfants, c'est même qui nous dit, c'est même passé jusqu'au lot là, préservant les enfants. N'a pas l'église, on prie à préservation, protection des bonnes enfants au quotidien, pas oublié. Parce qu'ils sont vulnérables. Shaitan, les fait zina jusqu'à même avec bonnes enfants. Djinn, fait zina jusqu'à même avec bonnes enfants. Alors, si un enfant, un enfant, il l'élevé, son aise pas nous. Si un enfant, il l'élevé, il peut en aise nous. Ça, c'est chez Tom, ce travail, il fait un zina avec ça, sans enfant. Prends compte, ça, c'est la matière, c'est pas histoire. Avec l'expérience, avec Manoulama, quand il y a un cas, il nous raconte, Manoulama, il compte plus, ça, c'est cela, dans un livre, alors, prends compte, ça, c'est une chose. Et je raconte une histoire qu'ils ont trouvé, ils ont rêvé, sans qu'ils ont connu qui c'est dans une personne. Mais ne pas qu'on est innocent. Ils ont innocent. Numéro 15. Ils ont ressenti un désir, là, une fille à mes enfants. Mandimon, en général, ils ont ressenti un désir intense et un désir irrésistible, comment dire, ou pratique l'homosexualité ou lesbianisme. Tout le temps, un trôné dans son esprit. Si vous gagnez l'occasion, si vous gagnez l'occasion, vous gagnez l'occasion pour vous faire. Il risque un désir là, ça l'a envie là, faire zina. Dans le bien zina, c'est tout ce qu'on appelle l'homosexualité, ou soit lesbianisme. Clair? Alors ça, c'est pas de mauvais signe. Numéro 16, un petit fille, dès qu'il y a des mains, il commence à pleurer. Alors, il y a des mains, est-ce qu'elle est plus de sa la casse au papa? Comment tu vas faire, moi, je vais venir, je vais dire, il y a des mains pour te faire, tu vas entendre, il commence à pleurer. Clair? Est-ce qu'il y a même bien sa langue qui la casse ou pas? Non. Ça, un signe. Un signe qui est un djinn qui finit pour se sur les cours. Alors, ça djinn là qui va les pleurer. La djinn là qui vous décroise, qui commence à dévoiler, parce qu'il vient suivre sa décor là, quand il permet à l'autre djinn, venir vivre avec sa djinn. Alors, un petit fille, dès qu'il commence à faire des mains, il pleure, ou il rejette des mains là, après avoir été accepté par une excuse inacceptable. Claire, vous êtes? Inaccepter les mandats. Après un moment, il résiste les mandats. Son excuse inacceptable. Son excuse, tu le donnes inacceptable. Il n'est pas debout dans un tribunal islamique. Il n'est pas acceptable. Clair? Ou le prétendant, c'est-à-dire celui qui se fait des mandats, il n'est pas revenu. Hein. Il est venu, il est il est content, finalement, les mandats, après, elle s'est allée. Elle s'est allée, malgré qu'il se fait là. Il se dit, malgré qu'il y a la dignité, il y a tout qui chose, tout mon qualité qui vient identifier. Tout mon qualité qui vient là, non, c'est là. Ça dit là, lui qui fait repousser, lui qui repousse ça, ça gagne ça. Alors, je prends compte, ça va quelque chose, ça va faire, ça va faire. Le bon faire, c'est lui qui nous a un garçon numéro 17. Un garçon, il n'a pas réussi dans aucune demande pour Moria. Il n'a pas parlé. Mais un garçon, tout ce qui a été par la réussite, il n'a pas bien qu'il m'a dit, il possédé. Mais seulement, dans beaucoup de cas, tout demande qui a le métier, correct, il n'a pas réussi dans ce bon demande pour Moria. Malgré qu'il y tape tout la faute et il est rejeté, alors qu'il y répond à la plupart des descriptions qu'il disait.
il y en a qui, il y en a carter, il y en a travail, financièrement, il vient, bien, bien, mashallah, tabarakallah, malgré ça, clair, ça va demander être résisté. Et la foi arrive sur le point fini conclure un contrat nika. Fini un nika. C'est bon, ça crée encore ce côté, il est là. Ou bien, il reste marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé, marié, divorcé. Voici ça. C'est ça, Dina qui empêche lui pour rester avec ce partenaire humain parce qu'il lui partage lui avec un autre démon, il n'est pas capable de faire tout pour séparer. Et ça, c'est un point humain, travail plus noble qui n'est pas capable de réaliser, c'est qu'il sépare par le couple. Pas nécessaire après 10 ans, 15 ans, 20 ans, mariage, il n'a pas après 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 7 mois, 8 mois, mariage aussi. Et numéro 18, un Michel, il n'est pas capable get la race féminine. Un garçon n'est pas capable get si tu appelles madame. Et si arrivé un madame Kozaori qui transpire gros, si dans l'été on peut déjà transpirer, pas parce que ça veut dire que c'est normalement, même dans plein hiver, un madame Kozaori qui transpire gros, ça c'est un signe qu'il est possédé, Ou bien si un tifi fait un zest en lui, on appelle flair avec lui, clair, il commence à trembler. Normalement, il va ressentir qu'un individu a ses oreilles, il n'est pas. Il n'est pas supposé trembler. Il n'est pas pour un mal. Mais seulement si il est trop dans une situation pareille, qu'un individu peut faire aller, attends, il peut flirter, il commence à trembler. Ça, c'est un signe qu'il est possédé par un djinn qui tombe amoureux avec lui. C'est un droit qui c'est une question de pudeur. Un individu peut venir causer. Moi, vous pouvez prier, vous pouvez trembler, et la tête. On a timide, il y a la honte dans l'air, clair? Mais c'est même pas nécessaire. C'est même pas nécessaire, peut-être possible, c'est à cause de la toucher du djinn amoureux. Mais la différence, comment nous différencier entre ça et ça? C'est-à-dire, un garçon qui vraiment même plus dur, il y a la honte dans l'air, il y a pas qui tire une cause en lui, il veut se rater, il prie, il hésite à vous poser, c'est pas qu'il pense trembler, il pense transpirer. Comment nous différencier entre ça et un qui est malade? Alors, la différence, c'est qu'il est ressenti par un mouvement dans son épaule. C'est lui qui est malade là. Il y a un mouvement dans ce dégo. Vous avez le djinn là, vous y. Il y a un mouvement dans ce dégo. Ou une douleur dans ce parti intime ou soit dans ce dégo. C'est-à-dire qu'on sentit là. Et cause avec sa garçon là, il ressentit un douleur, un mouvement, douleur dans ce parti intime, douleur dans ce dégo, là il est possible. Clair? Ça c'est différence. Ça c'est différence. Et aussi un picotement, un piqué dans divers parties de ce dégo. Et ça c'est un truc qui est bien fréquent. Il y a un peu de camp. Ça va être un cas là, il dit assez souvent. Le numéro 19 et dernier, moi, mon symptôme, c'est douleur dans la partie intime, dans testicule d'amitié, dans sa partie privée même, et bad madame dans un utérus et dans un ovaire. Dans un ovaire. Je veux bien, ça va être douleur là, dans ça, mon place là, ça veut dire bon, vous faites un bon diagnostic, vous faites un bon repiano, et normalement, qu'il soit malade médical, qu'il soit malade, ça va être malade satanique là, normalement pour tout malade nous faire roupia. Pour tout malade nous faire roupia. Clair? Alors ça c'est vraiment un symptôme, 19 symptômes qui va vraiment finir listé. Alors comment nous confirme la toucher par djinn amour? Pourquoi nous confirmer sa djinn là où vraiment il est possédé par un djinn qui achète avec lui, qui est amoureux avec lui? Pas aussi pour hein? On va nous dire d'aller là. Mais seulement, les différents par récit du Coran qui nous dit à la et à ce un djinn, là nous finissons connaître ce djinn là, il est possédé par un djinn amoureux ou soit un djinn femelle amoureuse. Qui nous fait? Qui nous a récité? Le Coran en entier nous fait l'effet. Mais si vous récitez ban ayat Coran que Allah vous condamne, ban grand grand péché, il y a l'immoralité, dans grand péché il y a l'immoralité. Dans l'immoralité, il y a ce qu'on appelle zina, l'homosexualité, lesbianisme. Quand on fait qu'on dans le Coran, quand on lie à la personne, là, il est manifesté, ça pourrait ça, traité pour guérir. Donc, par récit, par verset, comment nous traite Al-Mas, Al-Ashiqi, Al-Djinn, Al-Ashiqi, c'est par récit, par ayat Coran qui cause zina, qui cause un grand, grand péché. Clair? Pendant le cas, il veut faire le salut ici, pour ça, la madame là. Dîne amoureux là pour affecter pour un VSC qui cause Zina. Parce qu'il veut Zina, lui. Quand on dit, voilà, attends, pour la cause Zina,
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa bisa dia diartikan? Antara sebagai lafaz seperti tadi kau, lafaz akan dimana perempuan ikhya ki buku jimun fi dalam registrasi di Quran, pamit lafaz, pak usra apa pun bisa, pak bisra apa pun bisa. Yang awal pasal tak bisra apa pun. Contohnya kau malam je, wadah Allah, apa yang tak pakai ini? Wadah utah Allah Rahman walada mujadi. Wazin Allah, wadah Allah Rahman walada. Laqad jitum syai'an idda. Sasi anmal istil kliya Quran. Kau bila alam ikhira, mana beja alam? Pas jadi fuhum jadi dan wabas apa yang kamu refite laqad jitum syai'an idda sanuqsu lakakabus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal fa tasam jadi aqul aqul alis dan ruqya aussi yang kuntan dan ruqya yang kuntan pan yang bodo-bodo ya berpikir ruqya dan jimun pan yang bodo-bodo kutari lafal ni lafal ya anak je lahum sebab walahum azabun alim wa azabun syadid nimet lafal sama sama tsus alus ta khisi façon qui réciter la fois il doit parce que on dirait un jin un shaytan ça jin petit avec la personne qui petit elle le de ala pan quran do jin petit ala pan quran do on dit quran hein alus pan pan ça donc comment nous confirmer c'est la touche amoureuse c'est quand récitation quran quand on récite un ayat quran cousine qui cause l'homosexualité, fahisha en général, et même quelque chose immoral, ça du coup manifeste. Alors, nous avons un ayat là, ça fait une forme en zone presque aujourd'hui, pour mettre tout. Nous disons en vitesse, nous parlons. Qui va dans l'ayat Coran qui nous récite l'eau en djimoun qui est amoureux pour un djinn, pour son djinnir? Kemana ayat Quran kilo masjid? Harus membuka pilih, membuka istilah, membuka masjid. Insya Allah, dan kita bisa tujuh abu iman besar, membuka wujud. Dan ayat Quran ki kundan al-fahisha, tapi la tiyah pichit, grand grand pichit. Et dans la tiyah pichit, grand pichit, okay? Zina, man grand pichit. Numéro 1. Et là, où 70, man fer. Numéro 1, nous pouvons dire dit sans récite ayat Quran. Surah 2, verset 30. Surah D, verset 30. Surah D, verset 168 à 169. Surah D, sur la Baqarah, ayat numéro 205. Surah D, ayat 222. Surah 2, ayat 268. Surah D, ayat 275. Ça, dans sur la Baqarah. Ça, nous lions un djinn qui est possédé par un djinn amoureux. Et il est capable de faire l'effet par les autres qualités, types de possession. Pas nécessairement juste le djinn amoureux. Parce que Shaitan, Coran fait les titous. Shaitan, djinn méchant, Coran fait les titous. Parmi les ayats qui nous restent, ayat, surah 3, ayat 14. Surah 3, ayat 14. Surah 3, ayat 119. Surah 3, ayat 135. Et surah 3, ayat 197. Ça, c'est surah Ali. Ali et moi. Ensuite, surah 4. Ayat 15 à 16, surah Nisa, surah 4, ayat 15 à 16, ayat 22 et ayat 77, tout dans surah 4 même. Quand nous sommes surah, nous disons surah. Surah 4, ayat 15 à 16, ayat 22 et ayat 77. Et tout ça, on a été à côté de Zina, on va le ayat, surah 5, surah Al-Ma'ida, ayat 33. 41 et 95. Surah 5, ayat 33, 41 et 95. Ensuite, nous répétons avec Surah 4, dans l'autre qui vient qui de ma chère, qui est mentionné, qui est mentionné. Surah 4, ayat 25. Il cause Nika. Et celui qui va me faire Nika avec une madame libre, et avec une madame esclave, c'est ma croyante. Alors, soit il cause Nika, soit il cause. Contre Zina, ayat 4, surah 4, ayat 25. Surah 6, ayat 151. Surah 6, ayat 151. Et là-dedans, nous highlightons. Dans ce ayat-là, Allah, il a venu beaucoup lire, beaucoup réciter à eux, quelque chose qui va faire haram. Il commence par chiffre, maladie avec parents, partout les deux enfants. Pas, voilà, t'as trabou al-fawahisha.
ma zahara minha wa ma batan. Al-fawahish, parmi al-fawahish, nous avons dit, zina, voilà, rabou al-fawahish, ça, il faut faire effet, djinn. Surah 7, ayat 27, surah 7, ayat 33, surah 7, ayat 46, surah 7, ayat 100, 110, surah 10, surah Yunus, ayat 70, surah 11, ayat 43, et surah 11, ayat 78, et surah 12, ayat 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, 31, 32, 33 et 34, et dans l'alim de la surah en entier. L'eau, un djinn qui est possédé par un djinn archiqui qui fait. Qui fait sa surah là? Surah Yusuf. Qui fait surah Yusuf? Qui fait surah Yusuf au complet? Hein? Une jalousie des gens. Zina, il a atteint. Zina. Madame Al-Aziz, le roi de l'Égypte, des salles de peuple pour faire Zina avec. Propose pour faire Zina avec Yusuf alayhi assalam. Et toujours surah Yusuf. Surah Yusuf, surah 12, ayat 50 jusqu'à 53. 50 jusqu'à 53. Ensuite, ayat, surah 14, surah Ibrahim, ayat 30. Et surah 15, ayat 17, que t'as l'air, wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim. Wa hafidnaha min kulli shaytan ar-rajim. Ayat 17 dans surah Al-Hijr. Ayat 16, surah 16, ayat Al-Najis, surah Al-Nahl. الذي قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الله انتهي الفحشاء لا تيابتيت تتنتير تكنيك دي القرآن بجمع غار غران بيشي فأمين بين سينا آية سورة 17 سورة إسراء آية 16 32 et 45 سورة إسراء سورة بنو إسرائيل سورة 17 آية 16 32 et 45, nous prenons la note que tu as l'air de « Wala taqrabu al-zina »« Wala taqrabu al-zina »« Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila » Par contre, si tu as avec zina, il y a une fahisha. Il y a une dans sa terre qui appelle fahisha, un grand grand péché, « Wa sa'a sabila » un mauvais chemin ça. Alors, tout le frère qui peut écouter moi, tout le soeur qui peut écouter moi, présentiel et live, ban qui se connaît au fond des œufs, tu vis avec djinn ou soit djinnia. Tu pas intérêt à marier. Ou soit si tu maries, tu pas intérêt avec ton madame. Pardon. Lire ça va être ayat Quran. Ensuite, ayat 95 dans surah 18. Surah 18, ayat 95. Surah 19, ayat 17 à 18. Surah 19, ensuite ayat 20 et 28. Surah 20, ayat 131. Surah 21, ayat 74 et 91. Et 91, pas à 91, et 91. Et surah 23, ayat 5 à 6. Surah 24, ayat 2 à 3. Et là, on va dire surah la Nour au complet. Surah 24, ayat 2 et 3. يتكلم جلاله والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ليه؟ المدام كيف يزنا المشي كيف يزنا فوت لودي سان كود فوت ساسي دول فما هو يسا سود ما هي لا بيلي زكا زكا رامو ليه؟ على آية سورة نور آية 2 و 3 سورة 24 سورة نور تزو آية 19 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا من كي كنت أغبان فان الفاحشة زنا ici فاحشة يعني زنا même dans la population parmi man croyant آية 20 آية 21 dans son anneau toujours 26 28 30 et 31 nous prenons 30 là ce commencement قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تعالى لنا نتجيه سيركي ومن سنتون ينجمون نفسي لبا ينجين عشيقي سيري كونتاكت مدام
Di kodang adnia malam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ils ont préservé leur partie privée. Ensuite par ayat 25 dit qadian wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Diaban croyant de besoin de rigueur et de préserve leur partie privée. Souvent les fois madame croit qu'il existe miché que vous avez ce rigueur. C'est niché qui vous a fait ce regard. N'a pas oublié. Dans ma niché, il y a un type de niché qui a la fin créée avec le ban. Mardan. Qui veut dire ça? Vous connaissez Mard? Mard? Avec le Mardan. Soit Mardan, la réponse. Qui veut dire ça? Qui va dans la main dire concernant ce type de niché? Qui veut dire ah, Mardan? Et les autres, toi, là, nous avons une beauté. C'est-à-dire, la beauté du Soufaré Salam. Moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Ça, c'est un niveau de beauté. Mais il y a un monsieur, je ressemble beaucoup à madame. Je suis un tabac, je suis un moustache, dit tout, aucun poil ne va pousser dans une figure. Ça, c'est un man, man mortal. Et le man fitna, ce n'est pas pour une précaution avec eux, c'est l'un de Medina qui remarque qu'il n'entend pas un petit avec eux. Hein? On va pas le faire. Nous prenons 68 ans, qu'est-ce qu'Allah dit? Quand Allah peut décrire à toi, moi, lui et l'autre, ben là, le Seigneur dans le Coran, il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا. Parmi ma qualité, attribuée, caractéristique d'un croyant, croyante, je ne veux pas faire chier. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ. Et je n'ai pas tué, je ne veux pas ôter la vie de l'individu, excepté par droit Allah. Il n'y a pas gagné le droit tout un musulman, excepté par droit à Allah. C'est-à-dire qu'il y a le droit tout dans l'islam, mais il ne se blesse pas dans le sable. Non. C'est un démon infestine, hein. C'est un tout il dit. C'est les mariés. C'est un démon infestine, homicide volontaire. Vous êtes tout il dit. Même les jours d'envoi, vous êtes mauvais présent, vous excusez à la famille du victime. Dans ce cas-là, allez-vous. Venez, vous êtes pour toi. Parce qu'il est tout il est prêt, la préméditation. Il est mauvais présent, vous excusez. Al-Sahb al-Haq Allah. Il est où soyez mon haribun. Il y a une foutue à des eaux de la terre, un terroriste, un haïtaquin, un dakou. Tu n'es pas capable de vivre toi. Ou soit un couteau de coquin, un couteau de l'armée. Des couteaux coquins, déjà un couteau de coquin, vous êtes avec toi. Hein? Vous voyez, quand il y a un coquin, vous êtes comme ça, sur l'armée. Droite ou bien gauche? On va mettre un coup gauche parce que droite, l'islam donne facilité. Si coup droite, il y a une difficulté là, oui. Coup gauche. Déjà un coup, il y a un coquin. Tu vas venir, il est soldat. On n'a pas dit ça, tu vas voir, il est soldat. Des fois, tu te promènes. Il y en a qui fait avec lui. Qui fait un? Ou tu es déjà l'armée? Il y en a qui fait. Il veut dire l'armée, l'islam, la difficulté, l'autre monde. Non, pour que ce soit du côté du pied opposé, de l'armée qui se coupe. Si tu tapes les pieds de l'armée gauche, pour que ce soit du pied droit, ni coquin troisième. Qui fait là? Pour que ce soit de l'armée. Les couvées de quatrième, le lien sans coupe sur le pied, c'est-à-dire sans enlever sur le pied. Un cinquième coup, il dit, mais t'as pas trouvé de bon vivre là, c'est tout. Ça, là, il est dans le temps, appelle ça. Comment on appelle ça un petit peu? Pas le hadith, pas le limite, pas le limite, là, on va faire un point. Ou tu y jettes, pas le hadith, ou tu y jettes. Hein? Voilà, dans la séance islamique, il y a un hadith, il y a une limite, il y a une sans limite. Ta'ziran, tu vois? Après ça, nous tu y jettes ta'ziran, c'est-à-dire Zeus qui décide qui vous fait. Vas-y, le voler là. Allah dit le volet, la volet, c'est pour l'armée. Pas pour toi, il y a un moment, des armes, mais pas que ça. Tu as un coup de ce dana, à coquin, qu'est-ce qu'on fait? Un coup de coupé, tu n'as pas de tirer, tu n'as pas de coupé. Tu n'as pas trouvé de nuisance sur la terre, et là, tu dois te dire. C'est-à-dire, le volet, il arrive jusqu'à décapit. Ensuite, Allah dit, Zoba, fais chier, voilà, yaznoun, mon soumini, voilà, yaznoun, Zoba, fais chier. Ensuite, sur la 26, ayat 166, on va le vite assis. Surah 26 ayat 205, surah 26 ayat 206 jusqu'à 207, surah 26 ayat 211,
Surah 27 ayat 48, surah 27 ayat 54, surah 7 Al-A'raf ayat 80, surah 29 ayat 45, surah 31 ayat 24, surah 32 ayat 20, surah 33 Ahzab ayat 30 et 35 et 52 et 53 et 59 et ayat 30, surah 34 ayat 54, surah 35 ayat 8, surah 38 ayat 28. Nous va vous terminer aujourd'hui, malgré il y en a beaucoup, créa, alors nous vous posterons juste ça bout là pour l'instant, juste ça bout là, et là c'est un malgré mais les manements avant ils ont ça mal nous. Nous dirigeons au Ifo. Qui fait nous verra vous. Numéro 1, nos frères Shabir et Nandi, le monde des djinns et shaitans. Celui que vous voulez, il y a encore assez de salida. Il y a beaucoup ce qui nous dira. Il y a beaucoup ce qui nous dira. Après, il y a une petite chose qui parle dans sa livre, que nous prenons les mains des autres livres, les mains au lendemain. Nous parlons pour les chiens de la terre. Qui fait? Parce qu'il y a une volée. C'est clair? Une volée. C'est clair? Qui peut, pour qu'elle soit malheureuse là, et puis passer pour autres notes, et puis on sait. Ça, c'est malhonnêteté intellectuelle dans le principe. Gain de courage pour dire, moi, je prends ça depuis un tel. Gain de courage pour dire, ça, notre là, moi, je copie ça depuis un tel. À cause ça, pour cette raison là. C'est quand même, elle a un médecin qui est allé là, des fois, il vient me mettre ça, avant qu'il m'amène ça, mais Inch'Allah, pas les prix, moi. Ok? Pas les prix, nous voyons. Alors je dis là, écoute enregistré. Si à tout, ça va dans un saut, donc pour faire ça bien celui qu'on n'a pas gagné. Les mots des djinns et shaitan, grosso modo, parce que tout ce qui nous vient dire, vous gagnez là-dedans. Mais il y a une petite chose, non, nous pas encore, nous pas coucher avec les stères. Alors, ça va être pour l'an, par exemple, nous pouvons venir avec une traduction, Inch'Allah, pour vous finir à dire, nous avons une traduction. Mais c'est bon, pas laisser aucune traduction pour lire le djinn. Parce que ce contenu qui vous fait l'effet de ça, du moins. Alors, comment on traite traitement de la possession démoniaque amoureuse, comment le dire? Alors, ça m'a dit le Coran qui nous mentionne là, nous lier ça. Après, il y a le Coran, ma mère et ma soeur, il y a ce qu'on appelle faire doua. Ça, une première façon de le traiter, c'est ça m'a dit le Coran qui nous mentionne. Il y a, si on va trouver la 70, place depuis dans le Coran, à la 78, si on va trouver. 78 est abondé avec le Coran pour très possession d'une amour. Nous vous disons avec ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous prend lit en détail. Les risques qui viennent rester. Les mots c'est faire doua. Contre sa djinn, il y a la décrit à sa djinn. Mais après, il m'a dit que tu peux le dire. Qu'est-ce que ça fait? Il y a la décrit à lui. Faire doua. Et même il y a place pour faire ça droit là quand. Mais là, il y a le sajda. En soi là, dans tout ça, il y a au capable. En azan et kam, tout le moment qui doit accéder. Mais c'est à tout, tahajjud. C'est à tout, tahajjud. Que Allah dit, me descende, me vine dans le ciel de dunya, demandez-moi vous, donnez. Alors, demandez. Ben, on a dit, si vous pouvez faire 10, 20, 30, 40, 50, 100, 40, tahajjud. Fait D, voilà 4 sajdas. Ça 4 sajdas là, l'exemple plus long qui tout, va ne pas retirer ce soir là. Dans sa sajdas là, il y a un point marché, c'est créé presque tout, il y a 12 points là-dedans. Bon, on rappelle un point là-dedans qui dit, quand tu es dans cette sajdas, Ya Allah, Abid Adabo, Alhamdulillah, au salat, au salam, à la Rasulillah, à vous faire moins Allah, à vous dire le Rasulat, Ya Allah, ça qui chose qui peut faire moins dito. Ya Allah, détruis Ali. Ya Allah, détruis Ali. Dis même à la destruction. Fais droit contre Adina. Qui fait? Parce qu'Omad, Omadloum, doit Madloum accepter d'aller lire qui a lundi et accepter. Qui te regarde pour ça? Il t'a l'air là, frère, à Hadramjan, il a voulu moi. 400, combien de temps dans le bois de combien de temps c'est? Tu pas lire? Ah, en regardant une chose là, sensement, vraiment. Hein? Ça m'a gardé viré maintenant. Comment est-ce qu'on est pour moi, madame, vieille, loin de siècle, là-haut? Comment est-ce qu'il y a 400 montées, 425 000 roupies? Pas dire, moi. Le défi médian, là, un coup. Si vous avez écouté, moi, tu as dit, tout tourne à aller, papa. Alors, c'est pas qui va en avoir, on a qu'un délimite, c'est pas 400 à monter, 1000 roupies,
dans une boîte dans une bol jiri. Alors si j'ai mis ça là-dedans, là, pour gagner traitement ce parking, après ce parking de fermer, j'ai un bol jiri. Tout le monde, ça. Clair? Alors, ce qui est droit, contre ça, dîna. Et surtout dans la manière qu'il doit exercer. Numéro 3, pour un droit, avoir une malédiction, avoir demande droit compris, avoir une bonne droit d'oubli, apporte ça, c'est faire sadaqa en grande quantité. Clair? Faire sadaqa en grande quantité. Sadaqa lazan, sadaqa manger et boire, surtout sadaqa de l'eau. Surtout sadaqa de l'eau. Alors, c'est pour on a des télés rentrés là, et on vient une Jumma, on ne pas de l'eau mettre là-bas. Clair? On ne pas de l'eau mettre là, c'est vraiment beaucoup de l'eau. C'est de l'eau, un exemple de l'eau. Au soir, on a des l'eau potable pour tout, Trisentio, PSM pour l'eau miral, Félixon de côté miral, pour public, eau potable, fruit pour tout. Clair? Mais il y a son appât, c'est avec de l'eau. Donne de l'eau. Donne de l'eau. Fouille un puits dans notre pays. Qui, après fait aller dans Madagascar, bien, si on en vit encore, vraiment connaître, on envoie ou casse, un puits le nom personnalisé, le nom ou non aux familles, faire sadaqa pour la famille en entier. Alors, ils ont bien voyé. Les voix de Allah, ils ont dit, ma bagoum bi sadaqa. Guérisez le bad malade par mes autres pour faire sadaqa. Numéro 4, pas mal de médicaments, on appelle ça sensoriel. On a brodé même un terme pour résister, on résiste trouver un mot dans le dictionnaire français. Appelle ça l'adouya al-hissiya. Qui veut dire ça l'autre mot de hissiya? Elle dit, on a un texte et un fil. Hissiya, on a touché, trouvé et un fil. Dans ce Coran, on peut dire qu'on a dit, Alhamdulillah, on a dit, Alhamdulillah, on a dit, Alhamdulillah, on a dit, 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 on a hissiya veut dire, par exemple, 10 miel. Habatu Sauda, ça nous proposait, ça va nous proposer, Inch'Allah, on va faire un ça avec détail, clair, qui veut dire maintenant de la Hissiya, et là maintenant, qui va même nous traduire, on va dire, on va dire, pour photo, c'est vraiment Maurice Spice. Maurice Spice existait, alors c'est pour vous amener des vidéos. Ça, c'est une explication, on l'appelle l'homme aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Donc, ça va être prochain, nous pouvons reprendre, pour un nous finir dire, doit nous finir dire, clair, nous pouvons pas être de la Hissiya, comme un black seed. Fait maçon et c'est pas oud al misk al aswad al ambar al asli van parfum certain man van toutes choses en cours comme van olama fin fin mentionné inshallah ta'ala qu'Allah protège nous et je on van maligance satanique qu'Allah donne très bien donne guérison tout mal frère et tout mal soeur qui malade ou pas un télo là ou rien puis rapide un télo ou pas télo ça nous tous supposer qu'on fait bien. Nous tous supposons qu'on protège nous contre Shaitan, parce que Shaitan est l'ennemi de tout, tout. Il n'est pas l'ennemi imam, ou soit l'ennemi rapide, il est l'ennemi de tout, Tibaba, jusqu'à du monde qui l'ont dit, l'amour. Shaitan, il a la guerre avec Tibaba, qui fixe ce dedans, vente son maman, et d'avoir un mec de côté, tu peux manger dans celui qui fait manquer l'oxygène. L'oxygène, il n'est pas une pitié, il n'est pas pour pitié toi. Donc, c'est un la guerre, un combat avec lui, continuellement, perpétuellement. Nous tous supposons, arrête d'être embêté par un acquis. Arrête d'être embêté par Poussari, arrête d'être embêté par Manispa, Niadi, ou ça va être des doigts, arrête d'être embêté, ou ça va être la Moufti, Niadi, Maulana, Moulvi, c'est pas qu'ils avaient, arrête d'être embêté par ça, et là, pour beaucoup en acquérir, nous connaissons les autres terres, nous connaissons certains dimons, nous connaissons personnellement, nous connaissons qui restent, nous connaissons des travaux mal compliqués avec Sœur Dimon, avec Mama Dimon, avec Poupou Dimon, avec Tala Dimon. Avec Tifi Dimon, avec Nies Dimon, avec Pelsia Dimon, avec Madame Dimon. Et là, on s'allait dans la main. Voilà, 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 on s'allait dans la main. Et il y en a dans le PRA, et il y a des gens dans le pot, comme ça, je peux demander. Ça, c'est une famille. Inch'Allah, ça me concerne pour manger de banque. Inch'Allah, salam alaikum.